Oui, tous les matins, comme dit le dicton, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc moi, je peux me saquer du lit en 2, 4, 6. En revanche, le matin, il faut au moins que je prenne 2 heures avant de faire ce que j'ai à faire, quoi. Là, par exemple, je me suis levé à 6h et mon train est à 8h14. Là, d'ailleurs, on va pécho le train. Donc, comme vous le savez probablement, en catch, les entrées, c'est 80% du business. C'est très 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 important. C'est ce qui permet de fixer votre gimmick, de fixer votre personnage. Là, il y a 15 jours, on a fait un show à Grenoble, au Green Market. Et donc, je me suis aperçu que les piou-piou, en fait, ils faisaient leurs entrées à 1000 à l'heure, quoi. Et ils faisaient leurs entrées à 1000 à l'heure. Donc, genre, c'était précipité. En 30 secondes, c'était torché. Et donc, il faut prendre son temps pour les entrées. Si vous êtes un lourd, il faut travailler comme si comme un lourd, quoi. C'est-à-dire, si vous faites 100 kilos, il faut travailler comme si vous en faisiez 217, quoi. Ça paraît toujours beaucoup plus rapide de l'intérieur. Ça paraît toujours beaucoup plus lent de l'intérieur, pardon. Et en fait, c'est super rapide. En fait, c'est super rapide. Faut pas les précipiter, etc., etc. Et les faire durer. Tant que le public vous gueule dessus, tant que le public vous acclame ou vous hue, faut travailler avec lui. Ça, c'est aussi un travail important à apprendre aussi, travailler à l'oreille, travailler à l'écoute. Alors c'est ça, alors après, une bonne entrée ne remplace pas des compétences physiques et catchesques indispensables aux besoins du catch d'aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on peut plus faire un match en faisant juste un atemi, en faisant « ouh !» ou alors juste faire un match en déchirant un t-shirt, faire une descente du coude et un body slam, quoi. Donc on a maintenant, le catch d'aujourd'hui nous demande des conditions physiques exceptionnel, hein, comme le démontre, comme ce qui se fait par exemple dans le catch indie, qui est régulièrement pillé ou repris, ça dépend, par la VVE, qui reprend tous les talents de l'indie dans la NXT, quoi. Alors c'est pour ça que pour le stage du lundi 11 au vendredi 15 avril, on va travailler le travail des entrées, définir sa gimmick, définir son personnage, pour ce stage qui, je le rappelle, s'appelle l'entraînement des super-héros. Donc définir son personnage. Définir son personnage, c'est quoi? Bah, par exemple, des trucs hyper basiques comme si c'est un heel, c'est-à-dire un méchant, si c'est un face, c'est-à-dire un gentil, s'il est neutre, ouais, il y a un train qui va arriver. Ok, on continue. Par exemple, trouver ses catch moves, trouver sa phrase catch, par exemple. Personnaliser vos prises, personnaliser vos prises de catch, les noms de vos prises de catch, par exemple. Par exemple, un exemple super super commun, c'est par exemple. Ouais, c'est le train de 8h02 là, j'attends celui de 8h14 pour Lyon qui est juste après. Donc on va le laisser passer. On va prendre pour exemple le marteau-pilon, hein, de l'Undertaker. Vu que le mec c'est un croque-mort, etc., etc., ils appellent ça une pierre tombale, par exemple, la pierre tombale, quoi. Moi, quand je luttais sous le nom de Ivan le Terrible qui était russe, quand je luttais sous la gimmick de Ivan le Terrible qui était russe, j'avais une prise qui s'appelait la prise de la faucille ou des choses comme ça. Évidemment aussi, travailler l'énergie, de travailler les attitudes, la conviction, être énergique sur le ring. Donc ouais, c'est ça, donc comme je disais, faire du catch d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que sur ce stage, nous allons faire des mouvements spectaculaires, nous allons apprendre évidemment les prises de base, ou revoir les prises de base si vous êtes débutant, mais nous allons voir aussi des trucs spectaculaires avec de la lucha libre. Donc la lucha libre, c'est des trucs aussi acrobatiques, nous allons voir l'acrobatie, à savoir que pas de panique si vous êtes débutant, hein, ne serait-ce qu'une roulade avant, c'est une acrobatie. À partir du moment où on a la tête en bas, c'est une accro. Hein. Une roue, hein, c'est une accro. Hein. Après, on va avoir des choses plus avancées, intermédiaires comme le créos, le saut de main, etc., etc. Donc des trucs plus avancés, les moonsaults, et puis commencer à s'envoler. Continuer à toujours aller plus loin, plus haut, plus fort, s'envoler de la troisième corde ou par-dessus la troisième corde, évidemment. Et donc le coach présent sera un coach de lucha libre. C'est aussi un catcheur
expert hein, dans le travail des entrées. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est aussi un mec qui peut te faire, qui est expert finalement, qui peut te faire réagir un public, qui peut te faire vibrer un public, qui peut te faire rêver un public. C'est un mec qui peut te faire une entrée de 10 minutes sans ennuyer le public. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que toi tu le connais déjà. C'est Blue Falcon. Alors comment ça va se passer cette affaire là? Donc ça va se passer, donc ça va être en deux groupes. Ça va être en deux groupes pour qu'il y ait déjà, que vous ayez déjà moins de temps d'attente dans la file. Donc un groupe avancé, un groupe débutant. Comme je le disais, donc les deux groupes vont faire des, donc, du catch mais aussi de la lucha libre, des mouvements dans de, à voir l'acrobatie, hein, c'est hyper important. Par exemple, même si vous êtes lourd, etc. etc. Par exemple, bon des fois il les rate. Mais Brock Lesnar, il peut faire des tracasses de la troisième. Hein. Donc même les lourds, ils font de l'accro. Hein. C'est pas le problème. Et donc c'est ce que je disais, pas de problème pour les débutants, pas de panique. Même une roue, même une roulade avant, c'est une acrobatie. Hein. Donc l'essentiel, c'est qu'à votre rythme, on augmente le niveau. Et si vous êtes déjà avancé, moi j'aimerais bien vous voir faire des moonsaults ou des choses comme ça, commencer à boudiner un peu quoi. On a déjà vu avec certains le suicide dive, mais on n'a pas vu encore le suicide dive de la troisième corde et des choses comme ça. Il y aura deux coachs, il y aura donc Blue Falcon et puis je serai présent également. Donc Blue Falcon restera néanmoins le coach référent et le coach principal. Et oui, et j'insiste aussi avec on va se mettre là. J'insiste aussi avec l'acrobatie parce que c'est, même si votre but à vous c'est pas de finir voltigeur, l'acrobatie ça permet de connaître son corps dans l'espace. Et donc c'est-à-dire d'être sécu pour l'autre, d'être sécu pour vous. Donc voilà. Donc moi je vais aussi appuyer ça de connaître son corps dans l'espace et vous allez aussi donc l'acrobatie ça va aussi travailler votre souplesse. Il faut absolument travailler sa souplesse pour être agile sur le ring quoi, tout simplement quoi. Donc Blue Falcon vous a concocté un entraînement, une préparation physique digne d'un entraînement de super-héros. Entraînement physique basé sur des exercices de poids de corps. On va aussi travailler la nuque, c'est essentiel pour le travail du catch, particulièrement en lucha libre où vu que ça voltige rapidement, on se retrouve rapidement la tête en bas. Donc on va aussi travailler la nuque, hein, que ça soit en force et en souplesse. On va aussi travailler le dos. Il faut un dos puissant pour supporter les chutes, pour les porter. Hein. Au catch, c'est beaucoup de portée, c'est beaucoup de chutes, ça vous le savez. Également pour une histoire d'esthétisme, hein, des torses puissant, hein, une nuque puissante, etc., etc. Il vous a concocté un training physique là-dessus et ça sera aussi des exercices du coup que vous pourrez repartir avec à la maison. Donc enfin, nouveau concept, maintenant depuis le précédent stage, le ring est à vous. Maintenant, vous pouvez faire une journée suivant vos dispos, hein, suivant ce que vous avez à faire. Donc vous pouvez soit faire une journée, vous pouvez soit faire deux journées ou vous pouvez faire tout simplement les 5 jours, donc c'est-à-dire les 40 heures intensives de formation. Après, ça va au-delà de 40 heures, hein, vous le savez, hein. Quand on est au gîte, on continue à apprendre, on tourne, on fait des courts-métrages, on fait les fameux épisodes réguliers sous forme de sketch ou de forme de court-métrage, l'appellation que vous voulez, régulièrement. Donc on va, comme d'habitude, filmer. Donc à la fin du stage aussi, également, il y a un match, il y a un show de fin de stage, comme d'habitude. Là, je vais contacter des centres aéré, etc., etc. J'en ai deux en tête que je vais contacter. Nous sommes dimanche là, je vais les contacter demain lundi pour qu'on ait donc alors un public d'enfants. Donc ça sera également intéressant de travailler cet exercice de cibler enfants avec donc de la lucha libre, quelque chose de spectaculaire mais pas violent. Donc ça sera parfait pour un spectacle d'enfants. Je vais m'atteler à ça. Donc voilà, vous pouvez faire les 5 jours. Alors les inscriptions sont à partir de, donc quand vous voyez cette vidéo, donc d'aujourd'hui lundi 21 mars jusqu'au, et ça s'arrête au 1er avril. Donc vous avez 10 jours pour vous inscrire. Vous me contactez là sur l'adresse mail qui s'affiche là, soit sur le lien qui est en haut si vous êtes sur Facebook, soit sur le i qui est là si vous êtes sur YouTube. Donc pour récapituler, travail des entrées, définir votre perso, travailler les attitudes et les convictions,
travaille de la lucha libre avec des mouvements spectaculaires, travaille l'acrobatie, que ce soit à un niveau débutant ou avancé, travaille physique, exercice physique pour votre préparation, donc physique, avec des exercices que vous pourrez ramener à la maison. Les inscriptions sont jusqu'au 1er mai, jusqu'au, putain j'y veux, hein, les inscriptions sont jusqu'au 1er avril, donc vous pouvez me contacter sur là, ici en dessous, là, ou au-dessus, ou sur le côté. Et là, on va en cours et c'est parti pour quelques images bien sympathiques.